Tu... Bon, ce soir! J'ai envie de faire un truc un peu chill, hein. J'ai pas envie de me prendre la tête. On va faire Pokémon Snap, enfin New Pokémon Snap. Donc, sachant que le premier Pokémon Snap sur 64, c'est un jeu que j'ai adoré gamin. Je me rappelle, j'avais fait pendant que j'avais la grippe. Ça m'a bien occupé pendant la grippe. Mais un de mes jeux qui m'a le plus marqué de la licence Pokémon. Et comme quoi, j'ai des bombes dans la... Bah oui! Absolument Kiki, c'est ça. Mais pour moi, c'est un jeu, mais un des meilleurs jeux. Le Pokémon Snap 64, c'est un de mes jeux préférés de la licence Pokémon. Et quand Pokémon se met à dériver de son style de jeu principal, enfin, de ses jeux principaux plutôt, c'est intéressant, je trouve. Donc, voilà. Évidemment, j'ai toujours ma manette d'origine, hein, regardez-moi ça, là, c'est incroyable. C'est de la qualité, c'est. Ça n'a pas du tout cassé. Alors. On va réveiller la bête. Toujours bizarre de. Quand tu es habitué à la manette Xbox Series X, de pas repasser à la vieille manette de Switch avec les deux Joy-Con. Mais bon, on s'adapte, hein, c'est quand même. J'ai toujours dit. Moi, quand ils avaient fait l'annonce de la Switch, j'avais quand même trouvé ça révolutionnaire. Je trouvais que c'était intelligent. Et même encore aujourd'hui, bon, c'est pas ma console préférée. Mais quand même, c'est une très bonne idée cette console. Très bonne idée à de voir ce qu'ils vont faire avec leur prochaine console Nintendo. Est-ce que forcément la même Switch avec des meilleurs graphismes? Moi j'aimerais qu'ils nous révolutionnent encore le truc, un truc qui s'y attend pas, qui a aucun rapport. Je serais pour ça, mais après bon. On va voir s'ils repartent sur le délire de d'une Switch 2, d'une toute autre console. Apparemment ce sera une Switch 2, mais bon. Ça c'est les influx voleurs qui s'enjaillent là-dessus depuis 3 milliards d'années. Alors. Par contre je sais même plus où on l'allume. C'est en tout petit. Alors ce qui est bien quand je stream la Switch, ça prend pas de place sur mon bureau. Je suis pas obligé de tout déplacer comme la série X, au pire la PS5. C'est un jour où je stream la PS5, enfin je déplace tout. Ça va être une horreur. Donc voilà. Alors, écran. Étendre les affichés donc sur le 2. Voilà. On va allumer Elgato. Elgato, allume-toi. Elgato, un instant, s'il vous plaît. Voilà. Par contre, j'aimerais bien avoir le jeu sur mon écran aussi, ce serait pas mal. Voilà. Tadam. On n'a plus besoin de toutes les touches, ça fait n'importe quoi. Voilà. On est plutôt pas mal. Alors. On va virer Pokken Tournament qu'on va rejouer hein, plus tard, mais là, pas ce soir. Peut-être demain soir si je suis en forme. Ça, c'est pas garanti. Pokken Tournament qui est une très belle découverte quand même. Et on a hâte de le continuer. Alors, maintenant, nous allons passer à Pokémon Snap. New Pokémon Snap, j'aurais pas à dire Pokémon Snap, mais New Pokémon Snap. Pas déconner. Alors, on va mettre la petite cartouche dans la. C'est une espèce de tablette, hein, finalement. C'est vrai que c'est une console qui est tellement chelou à ce niveau-là. Et donc, ça va être. C'est parti. Attendez, je me mets bien. J'ai mes deux chats qui sont visibles. Ouais. Par contre, quand on reste en là, il y a écrit. Il y a toujours écrit avec l'agence. Comment ça? Capture d'écran, Kiki? Bah, j'ai bien mon nouveau overlay où il y a marqué Vince. Ah, je suis toujours. Après, je suis toujours avec l'agence. Je n'ai pas quitté l'agence, perso. Je suis toujours avec l'agence. Mais mon overlay, bon, je suis pas obligé de mettre l'agence en overlay. Et j'ai remarqué qu'en mettant mon pseudo affiché Twitch, tout ça, ça vient plus sur Twitch facilement. Donc voilà. Ah, mais après, c'est subtil, Kiki. Tu as fait ton rôle de modérateur avec brio. C'est des bonnes remarques. Yo Ken Duty, comment vas-tu? Cette petite tisane du soir est exceptionnelle. Du coup, bon, je vois que ça clignote pas assez pour TikTok. Ça fait pas des youpi et tralala, des bim bam boum, des explosions. Et voilà, on voit ma grosse tête, ça fait chier les gens. Oui, ça manque. Oui, ça marque haute avec l'agence. Ok. Après, je peux le changer aussi, ça. Je sais pas si c'est très important de le marquer. J'en sais rien. Moi, je découvre l'univers de TikTok. Hein.
Encore une fois, mais ça fait 3 ans que je suis sur TikTok. Mais hey, c'est une observation pertinente, Kiki. C'est pertinent. Tu es aussi pertinent que Jean-Michel Aulas. Alors. Oui, je veux passer. Peut-être acheter un stream deck. Hein. C'est vrai que ça serait plus simple que toujours cliquer à chaque fois. On verra dans l'avenir. T'apprêtes pas la minute. Console Elgato. Nous sommes sur la console Elgato, n'est-ce pas? Elgato en haut. Putain, par contre, il fait la gueule Elgato quand je le mets pas en avant le truc. Un peu affolant. Bon, c'est parti, nous allons faire New Pokémon Snap. Et let's go. Oui, on quitte Isaac. Hein. On a relancé vite fait hier pour perdre avant de se coucher. Ah, ce bruit de gorgée était de toute beauté. Le jeu sauvegarde données automatiquement, waouh. Nous allons jouer en français. Qu'est-ce que c'est ? On va mettre du japonais en doublage. Alors. Ah super. Sans même pas voir la tête. Pourquoi ils nous font pas des vrais persos ? J'en ai marre qu'on nous fasse choisir. Faites-nous des vrais persos comme avant. Merci Ken Duty pour les cadeaux. Merci Ken Duty. Pourquoi ça serait bien qu'ils nous fassent des vrais persos un peu que des persos random comme ça. Que tu veux pseudo-personnaliser là. Quand même, faut pas déconner. Ouais, je suis Vince, c'est original. Allez hop. Ça, j'aurais pas pu faire plus ressemblant. Oula. Pika Pika. Ça fait des Pika Pika, les gens. Bon. Un peu de soleil, comme ce qu'on n'a pas trop en France en ce moment. Bon, je pense que ça va être chill à jouer, ça, quand même. Pika Pika. Qui c'est qui a aboyé là? Ah oui, oh putain, j'ai oublié son nom. Ah par contre les gars, les Pokémon, je les connais de vue, mais il y en a j'ai oublié les noms. Hein. Je connais jusqu'aux 3 premières générations, c'est facile, voire 4ème. Après, ça devient chaud. D'alors, c'est quoi? C'est qui ces gens là? Professeur Miroir, ah bah c'est original ça. Ah te voilà. Bonjour à toi et bienvenue au laboratoire Pokémon. De sciences naturelles de Lantis. Je me présente, je suis professeur Miroir, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Je suis ici sur l'île d'Anthos pour étudier les Pokémon ainsi que leur habitat naturel. Mais pas seulement. Le professeur compte bien étudier toutes les autres lignes de Lantis. Lantis. Et personne l'a encore fait, tu te rends compte? C'est des recherches complètement inédites. Mais dis-moi, tu serais pas en plein d'oublier un certain Victor par hasard? On s'en fout, Victor. Oups, c'est vrai. Toi aussi, tu as déjà dû lire le livre Aventure de Atlantis. Les récits du voyage du capitaine Victor, le célèbre aventurier. Mais bon, elles sont quand même 100 ans, ces histoires. Donc ça change rien au fait qu'elles sont géniales, vos recherches, professeur. Hein, ça ira, hein, madame. On se calme. Hein. Pourquoi tu traînes avec un vieux comme ça? C'est bizarre. Je te présente Rita, sa fille, bon ami à toi. Oui. Et on. T'as l'air un peu coquinou, hein. T'aimes beaucoup la fille de ton pote. Hein. Et professeur, je suis venu pour m'amuser. Ah bon? Ah ouais. Là, il parle pas beaucoup japonais en vrai. Ça fait juste des bruits en japonais. Ça, c'est pas doublé en japonais là pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fout, Evoli, derrière là? Oh putain, ça blablate. Mais oui, ton Huawei. Comme tu l'as peut-être remarqué, l'envoi Pokémon vise à Atlantis. Et les photos, quand les photographions, on peut en apprendre plus sur leur mode de vie, ainsi que leur environnement. Et c'est là que tu entres en jeu. J'aimerais que tu explores des îles pour photographier les Pokémon dans leur habitat naturel. Je sais plus ce que c'est le Pokémon qui court derrière, mais... Les choper, il n'y a pas longtemps sur Pokémon Go. Bien, commençons par remettre ton principal outil de travail, l'Explore Reflex. Ton appareil photo développé scientifiquement pour une recherche. Moi aussi j'en ai un. On pourrait s'en servir pour s'envoyer des messages. Je croyais que t'aimais les vieux comme lui. Quoique, il doit avoir mon âge en fait. C'est malaisant. Parfaitement, cet appareil photo sert aussi à communiquer et dispose d'une fonctionnalité permettant d'analyser les données qu'il collecte. Il servira aussi de carte d'identification. Alors, prends-en bien soin. C'est bizarre. Oh!
Waouh, c'est un appareil photo du turfu, ça. Oh, oh, il y a une petite vibration dans la manette. T'as vu ça, il est trop cool cet appareil photo. C'est le professeur Murat qui l'a mis au point. Itché. Allez hop, c'est bon le tuto là, ça suffit. Là. C'est un peu long. Vraiment un tutoriel basé sur, par exemple, par défaut. Oui. Voyons voir. Ah. Je prends photo. Papillon de Wish. Papillusion de Wish. Alors. Mais je... Ouais, mais je le déplace là. Bon, ça c'est fluide les commandements. Je sais qu'il y a un mouvement. J'imagine. Gyroscopique ou je sais pas quoi avec la console, j'imagine, quand elle est en portable. Mais qu'est-ce que c'est? Mais non! Mais c'est un Pokémon tellement original! Oh là, c'est un Pikachu, rendez compte, on en voit jamais! C'est tellement rare un Pikachu! Ouais. Hey, wesh! Zoom! Zoom! Petit coquinou! T'as pris des joues, Pikachu, hein? Pas dire, mais. Mange bien à la cantine. Et j'ai dit, mec, je suis déjà désagréable. Ok. Bon alors, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai envie de voir tes photos que t'as prises. Alors, on peut déjà choisir des photos? Question de dossier Pikachu. Moi, je vais prendre ça là. Et putain, j'avais fait des mieux où il était content. Pourquoi ils sont toujours flous les photos? Attends, on est sur Switch, on est plus sur 64. Bah, c'est vrai, c'est encore flou, je suis désolé. C'est encore pixelisé. On peut avoir des vraies photos, s'il vous plaît? Ouais, mais j'ai gros. Il va me dire que c'est nul. Nouveau. Ah, c'est la première fois. C'est un peu... Bah, des selfies, ça aurait été marrant, ça. Sans vous faire des selfies avec les Pokémon. Ça va être drôle. Mon critère d'évaluation. Taille, ouais, cadrage, autre Pokémon. Ouais, ça, c'est la base, hein, dans les Pokémon Snap. Plus c'est un peu extraordinaire, plus c'est cadré, plus il y a de Pokémon. Sur la même photo, ça te rapporte des points. Voilà. Ok. Hop là. Ok, ouais, pour l'instant c'est bon. Ah, encore le tuto, c'est pas la mort. Je râle un peu, mais j'en ai marre des tutos. Comme je découpe plein de jeux, je fais beaucoup de tutos, j'ai l'impression. Point, 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 point. Bon, on peut faire notre première mission. Ah, c'est toujours le même véhicule qu'à l'époque, finalement. Neo One. Waouh! Mais de toute façon, on le bouge pas le truc, on se laisse porter, c'est comme un char le truc. Enfin, c'est comme si c'était un chariot. Enfin, on bouge pas. Waouh, on est protégé par une bulle! Waouh! Oh, les petites vibrations de la manette! C'est bien fait! Bon, c'est bien fait pour l'instant, allez. C'est Pokémon New Pokémon Snap. Sur Switch, c'est la suite à Pokémon Snap de la version 64, mais sorti il y a un moment. Je crois que ça a dû sortir en 2019-2020, non? Non, 2021. Pas si vieux que ça, quand même. Enfin, quoique 2024, ça commence à faire. Alors, du coup. Est-ce qu'on prend un espèce de papillusion là? De toute façon, on peut pas lancer de bouboule. Ah, Dodrio là! Oh, il est beau là! Oh, je l'ai bien pris là! Un Dodrio avec les papillons!
Ouais, ça peut être pas mal. Oh! Wistempo! Il fait la gueule. Hey, moi, je prends n'importe quoi au début. Je pense qu'on est limité niveau des photos. De toute façon, on a pas d'objet là, on peut pas faire grand chose. Mais non, c'est pas Pichou que je veux prendre. Bah, je fais de la merde. J'ai dû rater des trucs sur le côté. Bon, graphiquement, c'est pas trop dégueu. Si on zoome pas trop, c'est pas trop dégueu. Mais à l'époque, ça a été critiqué parce que c'était un peu... pas ouf, quoi. Ça. Ouais. Mais on peut rien lancer, c'est dommage. Oula. On peut rien lancer. Faudra refaire les niveaux plusieurs fois, de toute façon. En mode... voilà. Ah. Bonjour. Ah, j'ai envie de prendre en volant. Ah, j'ai pas été vif. Parce que c'est, j'ai pris une fleur en photo. Je sais pas si on peut. Le nombre de photos qui te reste, c'est en mode. Ah ouais, merci. T'as vraiment que t'es là qui quitte à l'œil du gamer. Donc je suis bien limité. Faut que je fasse le con, mais bon, allez, c'est la première partie. Oh! Ok. Bon, vous, je vous ai pris en photo. Oh la putain! Ils se font attaquer! Ouais, je sais pas si c'était ouf la photo que j'ai pris. Point, point, point. Et là, 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 attention, il se passe un truc là. Ouais, je gaspille des photos là, je sens. Bon, est-ce qu'il y a un autre délire là à faire là? Oh, toi, t'es vilain, mais on t'aime bien. Hop là! Là, il n'y avait pas des bails là. C'est vrai que c'est frustrant de pas lancer des trucs, de pas avoir d'interaction. Là, il se passe un truc. Qu'est-ce que c'est, il dort? Ou il s'est pris une tannée? Là, de rien, c'est un peu la star du truc. Oh, le petit. C'est chenipat, toi là. C'est bien, ils remettent les noms. Ça, c'est bien. Parce que moi, tu vois, je suis largué, hein. Ouais. Pas ouf ce que j'ai fait. Oula. Ah, c'est une session qui est plutôt calme là pour le coup. Point, point, point. Oh là, il y a des. Ah, c'est joli là. En vrai. Guerriland. Tu sais, c'est genre Pokémon qui est mignon mais que. Ouais, tu mets pas dans son équipe quoi, tu vas faire de la bagarre avec. Bon, c'était le challenge. Et lui, c'est qui lui? J'avais pas vu que c'est un Pokémon ce machin. Oh oui. Ah oui, oui, oui. Bonjour. Ah, on a déjà fini notre tour. Ok. On a plus de photos, mais après on peut pas interagir, donc c'est un peu nul quoi. Point, 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 point. Alors, voyons si on a des bonnes notes. Une photo par Pokémon, ah oui. Bah allez, on a des trucs pas mal. Alors, Dodrio. En vrai, la 6 elle a l'air ouf. La 6 c'est drôle avec les Queenotor. Moi je prends celle-là. Primis Mion, je me suis pas fait chier. On va prendre celle-là, une classique, hein, voilà. Wistempo. C'est un peu éclaté au sol en vrai. Frison. Bah on a que celle-là. Comme ça, au moins voilà. Pichou, c'est vrai qu'on a pris Pichou en photo. On va le mettre avec les autres Pokémon. Chenipot, celui-là on voit à peu près sa tête. Là. Là, là, il pose bien. Ah, on va faire ça, celle-là où il nous fait coucou, là, ouais. Tu veux faire une section auto avec en haut à droite. Ah ouais? Choisis pas par moi-même, du coup. Mais ça prend, ouais, la meilleure. Ok, d'accord. Ah, bah ouais, c'est, du coup, c'est un peu, ça indique un peu le délire, parce que... On peut pas choisir par nous-mêmes. C'est un peu, enfin... Le jeu, il fait direct... Ce qui rapporte le plus de notes tout de suite quoi.
Il n'y a pas un sens critique, après c'est un jeu vidéo, faut pas non plus. Je cherche là. Alors. Ouais. Il faut que j'appuie sur le bouton. Quel Pokémon magnifique. Ah, elle est mieux ma photo que celle d'avant, déjà c'est bien. Voilà, nouveau record. Boum. Bon, c'est chill comme jeu, j'aime bien. Ah, celle-là, elle est cool quand même. Notre Ryo, il est pas tout seul en plus. Ah, c'est une bonne photo. Ouais, première photo. Après, du coup, je sais pas si c'est une bonne photo. Ça s'excite la nouille parce que c'est un nouveau Pokémon. Bon, après, c'est plutôt pas mal démerdé. On peut pas faire mieux, hein. Il y a d'autres Pokémon en plan. Ok. Chenipot, il fait pas ouf ça là. Ah, elle rapporte pas beaucoup, ça en est un peu éclaté au sol. Ouais, c'est détente, on a plein de chemins alternatifs dans le parcours. Bah oui, c'est chill. J'aime bien moi, pour l'instant ça me plaît bien. Bon, c'est moi, hein. Parce que tu lances le snap 64 d'aujourd'hui, c'est un peu plus long quoi. C'est le jeu chill du vendredi soir. Ah, elle est cool ça là. Ah, 3e. Oh là là, là on a fait du bon là. On a fait du lourd. Bon, je pense que plus on fait des points, plus on peut débloquer des bonus en plus. Point. Magikarp. Attends, il fait un petit saut de cabri là. De toute façon, oui, les niveaux, on peut les refaire plein de fois, c'est ça qui est bien quoi. Hine. Que Notor. Ah, elle est pas mal en vrai. Je l'ai pris un peu au pif, mais il y a d'autres Pokémon derrière. Elle est propre en fait la photo là, je trouve. Ouais, ça, pas ouf ce photo. Ah ouais. Ah, parce qu'il y en a d'autres à côté, que l'environnement est beau, je pense. Ok. Bah allez, tu vas me faire faire d'autres niveaux. Parce que moi j'ai envie de bloquer les petites pommes. T'as un nouveau niveau d'exploration. Bien l'œil, ta prochaine expédition. Ouais. Mettre l'album à jour. Ah ouais, je savais qu'on pouvait repersonnaliser les photos et tout. On peut sauvegarder dans la console. Ah ouais, on peut faire des trucs de fou. Lumosité, et on peut mettre des filtres. Ah ouais, on peut faire des trucs sympas. Ok. Bon, on verra plus tard. Rentre à la base. Mais nous sommes pas déjà à la base. Mais qui chipote. Qui chenipote. Je chipote, je chenipote. Point, point. Point, point. C'est bien maintenant, je sens que des notifs. Ah, machin, vous avez mentionné. Merci Kiki pour le cœur. Que de l'amour. Allez voir la chaîne de Kiki. Bon là, il n'y a pas grand monde, là, je peux vous faire de la pub, mais... Et voilà. Toi, Kiki, je sais pas si c'est le meilleur jeu à faire en live. C'est détente pour moi. Mais ça peut être passé aux yeux pour attirer les gens quand ils passent sur TikTok, tu vois. C'est un conseil. Sur TikTok, faut des jeux qui pètent tout de suite. Faut direct l'écran, quand il swipe, paf, l'attention se fixe. Tu vois. Là, c'est trop chill. Après, bon, je fais sur Twitch aussi, puis ça me fait des belles rediffs. Donc, moi, je l'arrive pas que pour les lâches aussi, parce que je fais des rediffs par la même occasion, donc voilà. Mais. Sur TikTok, c'est pas assez pétant pour que ça attire du monde, tu vois. Alors que les jeux de combat, les trucs comme ça, t'as vu, des fois on est 50-70. Là, on est 2-3. On a des mises à jour à faire. C'est ce cadeau. Waouh, on a un filtre. Des câbles, c'est vrai qu'on peut personnaliser les photos, ça c'est cool.
Alors, Timeo Naruto Zero, ouais, New Pokémon Snap sur Nintendo Switch. Bienvenue à toi. Oh, il y a des designs, des cadres. Bon, on explore là, allez hop, on y va. Continue, on veut jouer. Bah oui, on est déjà prêt. Le radar. Comme on a deviné, on a un radar, il te donne des informations sur les Pokémon que tu croiseras et te signera si tu repères quelque chose d'inhabituel. Ok. Donc ça, ouais, ça nous guide un peu, ça gâche un peu le truc finalement, le radar. Parce que tu, ouais, ça te dit, ah là, il y a un truc de fou. Du coup, ça gâche, ça te guide trop, je trouve. Oui. Ouais, mais je joue avec des commandes classiques. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? T'en es où, Kiki, niveau des abonnés d'ailleurs? Ah! Oui, et maintenant j'en fais quoi? Ah, après, moi je trouve toujours des tutos, c'est trop chiant, mais. 400! Ah! T'as passé un petit cap déjà! Putain, mais c'est vrai que c'est galère! Et en ce moment, TikTok, même moi, je vois, je gagne pas beaucoup d'AOE, je fais pas beaucoup de vues. Ça devient plus un site de live qu'un site de même de vidéo, j'ai l'impression. Et ça serait bien qu'ils donnent l'opportunité tout le monde de faire des lives. Parce que t'as des mecs qui ont 1000 abonnés, qui font des lives où ils sont 200, j'ai vu. Hein. Plus que moi, quand on est 23 000. Hein. Donc, c'est assez spécial. C'est bien, ils veulent concurrencer Twitch en quelque sorte. Et ça marche bien. Hein. Non, c'est pas très mainstream, mais tu peux avoir un public de niche. Et un public de niche est plus fidèle, Kiki. Donc d'un côté, le mainstream, il va être là sur une vidéo, sur un truc, mais sur du long terme, tu le retrouveras moins. Ça sera moins les gens, ça sera moins des gens qui reviendront régulièrement. Et t'as vu, regarde là, on est deux sur le live, et des fois on est 70. Ça dépend de plein de choses, faut que ça pète à l'écran, faut machin. Oui, non, non, mais et même Kiki Zelda et Mario, ça intéresse personne. Hein. Je vais pas être méchant, mais c'est pas ce qui attire les gens. Faut des trucs de licence, faut que ça pète. Tout en étant pas trop dans une niche populaire, faut bien doser le truc. Faut que ça pète aux yeux, quoi. C'est ça le truc, quoi. Bon alors, parc naturel d'Anthos. Mais après, oui, si on parle de. Ah, ça peut mettre le jour et la nuit, c'est vrai, dans le jeu, j'avais vu ça, ouais. Voilà. Non, mais après, tu vois, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo d'un jeu de combat d'engine. Dans un chantier. Non, c'est vrai? Faut que je regarde ça. Tu me l'enverras? Ah, ça, par contre, ça peut me faire marrer, ça. Alors. Ah! Kolewa! Bah bon, c'est les mêmes Pokémon, c'est un peu relou. J'ai hâte de pouvoir interagir avec eux. Ah mais c'est le même niveau mais sous un autre angle. J'avais pas capté vu que j'ai mal lu. Yep, sans japonais c'est absurde. Mais oui, mais on cherche que ça quoi. Sur l'arbre c'est intéressant là. Un Dodrio qui dort. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un petit bâton! J'ai pas pu le prendre en photo, il a un petit bâton! Oh non! Mais alors, il se noie ou il nage? Il est parti où cet enfoiré? Hé! Hey, j'ai trop tendance à zoomer. En fait, c'est chill, mais c'est stressant à la fois. Ah! Il y a un truc de ouf. Des fruits carbonisés par terre, ça va dans Pokémon facétieux! Ah putain, je suis rendu nul pour prendre des photos. Ah, on peut faire une photo sympa de chenipote là. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pensé à Metroid. Fleur de cristal qui pousse à Anthos, ok. Quand tu lances une partie, il pense à regarder directement derrière et détruire. Oui. Ok Kiki, j'écoute tes conseils. Il t'a plu le jeu visiblement. Oh, y'a des petits canards! Des quoi de thon? Ils étaient pas tout à l'heure!
Ah, ils ont fait un barrage. Après, c'est génial, hein. En vrai, c'est génial. C'est assez vivant, c'est cool. Ouais, c'est chill. Putain, comme il est vénère, lui. Pourquoi il se vénère comme ça? Oh putain, la tête du pichou, elle a éclaté au sol. On va voir ce que ça vaut. Ouais, la photo, j'ai trop cool. Oh, je croyais que c'était des armures, mais non. Oh, bordel! D'accord, ah oui, c'est pas tout à l'heure. Ah oui, bah moi je te dis, le premier bouquin de Snapchat, j'avais vu que gamin, j'avais vu la grippe. Regardez les connoteurs, ils sont trop mignons. Ah putain, celle-là, elle est extraordinaire. Quand c'est le genre de jeu, en même temps que tu regardes un chat, c'est compliqué parce que tu loupes des choses. Le moindre coup d'œil ailleurs, tu loupes des choses en quelque sorte. Roroflex, ah, t'inquiète pas, les premiers passages, tu les rates toujours. Ah, on peut pas, non mais c'est chaud, hein. Désolé Roro, j'avais pas eu ton message sur Twitch tout de suite. C'est dur de faire les deux en même temps, putain. Ah mais qu'est-ce qu'il fout lui? Mais, ah putain, mais... Ah, il a une couronne de fleurs. Ah, il faut qu'il... Ah non, ah oui, il a une couronne, il y a des fleurs. Et c'est lui que je veux prendre en photo. Ah mais j'ai rien pour lui lancer des trucs là. C'est tendu. Bon, en tout cas, le niveau est sympatoche. Bon, on est pas trop mal, hein. On est le boule de nœud, tout ça, ça va faire des points, à mon avis. Ça peut être sympa. Bah, difficile de tout gérer, faut tellement être focus sur le jeu pour rien. Ah oui. Alors là, quand tu lis un chat en même temps, bon, encore, il n'y a pas trop de monde, là, ça va, mais... C'est plus compliqué. Alors... Bon, du coup, saisie automatique, c'est le plus simple, visiblement. Ah, ok, prends ça là. Boule de nœud. Ah, elle est que notoire, elle est géniale comme ça. Technique photo peut te faire gagner double de points des fois. Ah, oui, j'imagine bien. On balance. Parc jour. Alors, frison. Ah, il a une petite couronne de fleurs sur la tête, des fleurs. Ouais, sympa. Wistempo. Ah, est-ce qu'il va faire plus de points, celle-là? Ah oui. Il fait un petit saut de cabri. Mais je préfère celle-là dans la feuille, j'avoue. Bon, voilà, je vais garder la première. Je préfère la première, quand même, en vrai. Ouais, nouveau record, ok. Mais je préfère celle-là, voilà. Ouais, ma première photo avec Dodrio, elle est extraordinaire. Ah, par contre, la nouvelle, c'est la... Bon, c'était pas compliqué de faire mieux aussi, là. Point. Là, les quoi ne tombe. Ah, elle est pas... Elle est mignonne, cette photo. Ils barbotent, là. Allez, médaille... Enfin, étoile d'argent, tout de suite. Ah, la photo avec les deux, là, c'est ordinaire. Ils sont trop mignons. J'avoue, ils sont kawaii, quand même. Ah, Pichou, là, c'est dur de faire des bonnes. Mais elle est mieux. Bah, elle est plus près. Et il a une petite pause, quoi. C'est intéressant. Boule de nœud, ah, il est vénère, là. Guerriland. Bon, on a dû gagner des points quand même. Ok. On n'hésite pas sur le zoom, photo de groupe. À propos. Bon, est-ce que tu me donnes les pommes à lancer? Non, on rentre à la base, on continue. Je veux les pommes, moi. P
point 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 point. Les astuces à la fin du choix de tes photos. J'avoue, j'ai rushé comme un gros connard. De moi, peut-être ça sera des propres yeux, un phénomène lumina. Ah ouais. Donc là, on va faire la même map, mais de nuit du coup. Donc un chenipan luminescent. Ça, c'est beau. Et pourtant, la légende, c'était Pokémon Snap sur 64. Hein. Né. Point, 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 point. Et qu'est-ce qu'on peut faire au laboratoire à part les photos? Est-ce qu'on peut upgrader des choses? Oui, oui. Le photodex, ok. Bon, ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, même si c'est intéressant quand même. Ça donne des tips pour déclencher ces différences sur le même niveau. D'accord. Ok, il faut que j'explore ça alors. Sauf que là, il faut quand même que j'ai des objets là. Oui. Bah, t'as eu le poids, il est arrivé d'un coup. On va dans ligne. Bah, c'est marrant en vrai. Ok. Bah, ouais, là pour l'instant, c'est pas trop moche. Hein. Je crois qu'il y a eu des mises à jour qui ont corrigé mal de trucs. Photodesk, coin perso, mode en ligne, base. Ok. Base. Exploration, allez, c'est parti. Alors. On continue. Mais là, on va être de nuit. Parc de jour, parc de nuit. Donc, ça, c'est cool qu'on puisse faire les mêmes parcs à différentes heures de la journée. Ça a permis d'avoir une, voilà, un gameplay qui varie et tout, c'est intéressant. Point, point. Oh. Mais c'est beau. Alors, le nom du jeu des jocs, c'est Pokémon Snap, New Pokémon Snap sur Nintendo Switch. Oh, putain, j'ai oublié son nom. Flambino, j'adore ce Pokémon. J'ai pris un cornèbre en photo, je sais même pas ce que c'est. J'ai pris le cul du Queenotor. Oh! Qu'est-ce que faire au carnage en pleine nuit? Ah! Oh, t'étais beau! Ah, trop mignon la photo! Attends, je loupe des trucs. Bah, avec plaisir, dis joke. Voilà les cornèbres qui se vénèrent là. Il y a plein, partout des cornèbres là. Point, point, point. Alors là. Ok, la fleur. Ok, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un truc. Bon, là, c'est un objet, à mon avis. On peut faire sortir le scarabrut. Je pense. Mais il faut un objet précis. Putain, par contre, là, je suis à la ramasse. Oh! Des Torterra! Ah, j'adore, c'est un de mes Pokémon préférés. Ah, j'adore Torterra. Ah, c'est un de mes Pokémon préférés, Torterra. Oh putain, le recarnage. Oh, quelle prestance, monsieur. Madame, madame, c'est une femelle. Putain, j'ai oublié trop de trucs. Et là. Il y a des trucs au fond. Ah, mais on a envie de fouiller, d'aller partout, quoi. Après ça, on a assez de photos pour foutre, se louper. Hé, qu'est-ce qu'il fait? Il est... Hé, Flambino, t'es parti où? Bon, mais j'ai loupé un truc. Trop bien cette photo. Là, j'ai une belle photo de Goat. À mon avis, on peut les réveiller et ils vont faire un attaque séisme et tout. Oh, c'est trop mignon! Oh, mais c'est trop kawaii! Ah, j'adore Torterra. Je trouve que c'est un Pokémon sous-côté.
C'est trop stylé. Quand même, Torterra, c'est quelque chose. Oh putain, Scarabutre. C'est Scarabutre. Bah alors, on flex. Il flex, hein. Ah, Hoot Hoot. Ça, c'est génial. Là, il y a un truc, non? Ouais, on a vu un truc. J'entends. Ah! Ouais, putain, Prinity, voilà. Flambino, tu fous le bordel! T'as vivement d'avoir les trucs pour interagir quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le truc de fin. Qu'est-ce que c'est? Oui. Il manque qu'on puisse interagir. Pense à scanner tant envie de moi-même, sans que ça me le dise. Ah ouais, mais j'ai loupé le truc. Bon, on a quand même eu du nouveau Pokémon et tout. On est pas trop mal sorti. Alors. Comment ça, il y a tellement de choses à me dire. J'aime pas ce ton que tu prends, mec. J'aime bien, je vais regarder mes photos. En vrai, oui, la pucille, c'est celle-là. En vrai, j'ai envie de regarder mes photos, quand même. J'ai envie de le faire manuellement. Celle-là est plus stylée. Ah, celle-là est masterclass. Chenipan. Ah, celle de plus près, hein. Torterra. Alors, il y en a que d'incroyables avec Torterra. J'adore ce Pokémon. Il y a passé le monde d'or avec Pichu et tout, là. C'est la meilleure, celle-là. Attends, on va faire sélection, voir ce qu'il trouve, les multiples. Ah ouais, il s'en fout complètement de la photo où il dort avec... avec Pichu et tout. Mais c'est quoi, cette merde? Que cette photo, elle est masterclass, là. Moi, je prends ça là, je m'en fous. Je gagnerai pas. C'est pas grave. Mais quand même, il y a Pichu et tout. Quand même, c'est pas masterclass. Iné. Oh, j'aime bien, je trouve très bien cette photo. Moi, je remets pas, mais dans la photo. Vous allez faire respecter ton autorité. Oui, absolument, Kiki. Je vais pas me laisser faire par un ordinateur. Ah ben, bon épisode Demon Slayer, tu me diras ce que t'en penses de la saison là. Tout que la prochaine saison va pas tarder à recommencer, être à jour. T'es à jour pour Demon Slayer et Meilleur Academia, Roro, c'est beau. Ouais, ça, ma première était mieux quand même. Regarde celle-là. Que notor. Ah bah non, mais rien ne peut battre la première photo. Enfin, peut-être bien plus tard. Quoi? Ça m'a sélectionné celle-là? J'ai le cul de Rocarnage, j'ai pas pris mieux. Eh, faut pas que j'ai sorti choisir, hein. Le cul de d'Aprinity. Regardez quand je laisse l'ordi choisir. Il met des photos de fiac, l'ordi. Non, je vais prendre des photos. C'est éclaté au sol. Le petit chenipan. J'ai vu une vidéo où il y avait vraiment une chenille qui ressemblait vraiment à chenipan. Attends, celle-là, elle est incroyable. Je comprends pas le jeu là. Attendez, là. J'ai Torterra qui dort avec Pichu et. Je sais plus comment il s'appelle, le starter plant là, bref. Et non. Juste pose 750. Il s'en balèque. Ah ouais, alors quel est l'intérêt et pourquoi les mecs ont fait une scène où il y a trois Pokémon qui dorment ensemble? Sans mauvais jeu de mots. Et pour dire non, on s'en bat les couilles. Ben non, non, c'est pour sans aucun intérêt. On met pas de points. On met pas de. Je sais pas. On met pas de points d'indice sur le truc pour que quand on prend une photo, non. Ah, j'ai eu peur. Je suis peut-être emballé trop vite. Quand même. Mais il s'emballe pas plus que ça. What is the fuck? Truc de fou quoi. Ah, Scarabrut, simple mais efficace, ce Scarabrut. C'est plutôt pas mal.
Hot shot. Pas trop mal, hein. Oui, voilà, bon, ça mérite pas une... Fleur, ah oui, c'est vrai qu'il en prend les fleurs. Toi, cette lueur, c'est le phénomène Lumina. Bon, là, donne des points, là. Fais un truc. Ouais. Pas un professeur photo de Witch, là, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Ouais, trop bien. La nuit. Vous avez enregistré la fleur Krista dans Tos dans le Pokédex. À propos. Mais bonjour, bien avancé. Nouvelle découverte. Non, non, je vais pas regarder mes photos. Pour l'instant, j'avance. J'ai envie de trouver des trucs par moi-même. J'ai pas envie d'avoir trop d'indications pour l'instant. Point, 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 point. Point, point, point. Point, point, point. J'aime bien quand Scarabrut met dans le, en avant. Ça fait... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Hé hey, je suis un dresseur Pokémon lambda. Waouh! Une carte en 3D! C'est extraordinaire! Ouais, sache qu'on doit mesurer une grande quantité d'énergie! Tu veux pas me faire des boules à lancer là? Je pense aussi que la présence de Pokémon n'est pas une coïncidence! Oh! Allez hop, tatati tatata! Patati les dialogues! Des Everdis! Change de map là. Non? On est sur le même endroit? Ah, voilà la source Lumina. Attention les gens. C'est un moment extraordinaire. Ah, il est dans notre bulle. Ce Seiyuu là, il me dit quelque chose. Il double un. J'ai entendu dans plusieurs mangas, mais alors qui sait déjà? La flemme d'aller chercher là. Ouais, je vais bailler. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est extraordinaire. Attends, Mew va t'arriver. Mew, qu'est-ce que c'est? C'est Torterra. Un Torterra cristal. Non, ça n'existait pas encore. Ah, un gros Méganium. Oh, mais il est tout mignon. Oh, il est beau. Moi, j'aime bien Méganium. Il est tout beau. Bon. Non, mais il est beau, Méganium. Ouah, ce Gum. Bah, va le prendre en photo. C'est un putain de Diplodocus de type plante, quoi. Ok. Ouais, il flex. Mais j'ai rien pour interagir avec lui, c'est con. Mais sans la fleur, ça sent bon. Ouais, mais attends, c'est cannibale si Mégane il mange une fleur en quelque sorte. Attends, je suis largué. Oh, elle est belle sur la photo. Oh, non, ça les met bien en avant les Pokémon, c'est cool. Point, point. Ouais, ça en fait le scan, il part de Méganium. Oh, milieu de toute beauté. Ah, c'est incroyable les photos là. Ah, ça me donne envie de rejouer à Crystal et de prendre Germignon. Moi je trouve beau Méganium. J'aime bien ce famille de Pokémon. C'est pas le plus fort des starters, mais bon. J'aime bien. Bloom, bloom, bloom. En plus, ouais, il se balade un peu tranquillou. Eh ben alors, il me regarde genre en mode, mais wesh, qu'est-ce que tu fais là? Bloom, 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 bloom. Ouais, il est parti. Bon, on a fait des photos stylées en vrai. Bon, la plus belle, c'est là où il pose. On a plein de lumière et tout, de luciole. C'est cool. Ouais. Moi je trouve ça trop stylé. Point, point, point.
Alors. Ouais, ça l'est plus joli. Hop là. Alors, Meganium, en vrai. Ah, on peut pas, d'accord. On peut même pas choisir. On va se faire foutre, en quelque sorte. C'est lui qui décide. Ouais, la nouvelle est mieux, quand même, non? Bon, la fleur, on s'en fout. Tout le monde s'en balèque. Oui. Il s'en bat les couilles du Meganium, on en a même pas parlé. Je comprends rien là, les gens là. La meilleure photo pour moi. Ah, oh, celle-là. Celle-là. C'est vrai! Mais j'ai pas pu, ça m'était en grisé. Je sais pas, je m'en fous. J'ai enregistré dans ma Switch. J'ai rien compris. Retour à la base. Oh, je suis trop con. J'ai rien compris. Non, mais c'était grisé, ça me dit non, tu peux pas sélectionner de photos. Ouais, c'est pas grave, il va me faire avancer le jeu quand même. Ah non, faut que je recommence. Ah ouais, je crois qu'il faut bien que je recommence. Hein. Bon, on va recommencer. Hein. Pourtant, on va pas en faire chier en prendre 10 000. Hein. On recommence, j'étais teubé, on recommence. Alors, le cul de Meganium, bonjour. Point, 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 point. Bon, regardez-moi ces petits yeux jaunes, là. C'est sexy. Mouh. J'aime bien, il y a un Meganium géant. Oh, ils sont la petite fleur. Alors, je vais profiter pour garder tant que j'ai moins la pression. S'il y a autre chose derrière, non, mais vraiment que lui, on est focus sur Meganium, on a le tournis. Oh, oh, mais quelle traînée. Quel petit cul bombé, Meganium. C'est un petit fiac. Regardez-moi cette beauté. Non, mais Meganium, c'est un Pokémon qui est trop beau. Là, il est tellement bien mis en avant. Bon, là, elle est pourrie la photo que j'ai fait là. Mais bon, ça, oui, New Pokémon Snap Cachalot, exactement. Je découvre. J'avais fait celui-là sur 64 à l'époque. Alors, sniffer la fleur. Oh, mais c'est trop mignon. Ça sent bon. Attention. Photo. Ah, j'en prends plein. Je crois que c'est les plus belles, là. Ah, elles sont belles. Bah ouais, j'arrive bientôt à la fin, mais... Ouais, il pose pas de fou, hein. De toute façon, on peut pas interagir de fou, hein. Il y a cette tête de Diplodocus, là. Tu vois qu'on puisse interagir un peu plus. Bon, ben voilà, c'est fini, hein. Nium, ah, il y a un truc à voir, là, ça me dit. Ah. Non, mais... J'ai plus le temps. Il n'y en a pas d'autres? De quoi il n'y en a pas d'autres cachalot? Ah non, là, c'est, par contre, on est que sur Meganium dans ce niveau-là. Bon, on va essayer de sélectionner les photos, hein, Kiki. Il y a le cul de Meganium. Ah oui, alors il y en a. Ah oui, ah ok, c'est qu'en fait, je ne pouvais pas sélectionner les photos, il n'y avait pas de lumina visible, d'accord. En vrai... J'ai pris des photos dans le vent. Moi j'aime bien. Celle-là. Allez, pour la montre prof. Je suis comme ça, tu bugs encore. Là, ils sont pas tous des JB. Bah oui, moi du coup, je croyais que je pouvais. Fallait pas que je sélectionne en fait. C'est vrai que tout à l'heure, je me suis planté. Écoute, Cachalot, la meilleure solution de Mandakiki, c'est le déco Roco quand ça déconne. Elle est belle cette photo. Après voilà, dès qu'on aura des trucs pour interagir avec eux, on pourra faire des meilleures photos quoi. Mais tu bugs sur quoi, Cachalot?
Ah oui, ton truc de d'épingler, c'est jamais. Ouais, mais TikTok a hein, des trucs bizarres en ce moment. Ouais, c'est bizarre des fois. Mais même moi, là, j'étais sur TikTok Studio, ça m'a enlevé tous mes overlays, mon Goku, mes trucs que j'avais mis en déco là sur le live, ça a tout enlevé. J'ai dû recommencer, je sais pas ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Ah bon? Tu es en Wi-Fi? Tu es comment, Cachalot? Tu habites dans la campagne? Je sais pas. J'ai habité à la campagne, hein, donc je sais ce que c'est, hein, par le passé. Oh, à propos. Non, mais j'ai pas envie de ranger mes photos, là. Wi-Fi, oui. Ah, c'est peut-être ça, des fois. Ça déconne de fou. Et moi je vous live parce que j'ai la fibre. Et depuis, là, avec un ami, on a fait des petits travaux chez moi dans mon appart pour faire passer deux câbles internet de mon salon à mon bureau. Parce que moi, je fais pas confiance au Wi-Fi pour streamer. Hein. Bah, c'est un gros méganium, en effet. Point, point. Et ouais. Point, 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 point. Non mais Ganium, c'est... J'aime bien. T'es un peu sous-côté. Mais c'est bien de faire des aventures avec les Pokémon, pas les plus forts, les plus populaires. C'est un des plus intéressants, je trouve. Pense bien, avoir un peu de patience. Incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Il n'est pas arrivé par hasard, Pokémon luminescent. Plus on rit, hein. Mais personne s'inquiète qu'il est tout en forêt avec une gamine plus jeune que lui. Hein. Ah, j'ai un badge de membre! Oh là, attends, c'est Pokémon, toute l'histoire de badge. Oh! Sur ma casquette! Et tôt. Ok. Bon! Alors, est-ce qu'on gagne des bouboules à lancer sur les Pokémon là? Je m'en fous des badges, moi, je lance des bouboules sur les Pokémon. Non, c'est ça l'histoire de Pokémon. Alors, Ellie, je joue à New Pokémon Snap sur Nintendo Switch. Un jeu où on prend les Pokémon en photo, à défaut de les capturer. Ah, les pommes, ça y est. Non, mais je connais le délire, j'ai joué au premier. Oh putain, j'aurais une explication que j'ai pas envie d'avoir. Et toi? En plus, on peut leur lancer sur la gueule, ça leur fait mal. C'est sympa. Point, 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 point. Alors là, est-ce qu'on peut lancer à l'infini, j'espère? Hey, on va lui lancer sur la gueule. Non, je vais lui lancer sur la tronche, moi, Pikachu, moi. Point, 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 point. Ah, on peut lancer à l'infini. Attendez, on le voit sur la tronche. C'est lancé sur la tête. Ah, je crois qu'on l'a touché. Ah, il s'énerve. Chez. Là on va s'éclater. Là c'est trop bien de refaire le niveau avec ça du coup. Là moi je vais refaire le niveau d'avant, on peut faire un autre niveau du coup. Oui, ça serait pratique d'un moyen de communiquer rapidement. Non mais je veux pas que vous me parlez pendant que je fais mes séances photo. Messieurs, dames, on se calme là. Je suis là pour me détendre. Quand même. Alors, est-ce qu'on peut refaire et nous propose direct un autre niveau ou... Ah non, on refait logiquement les niveaux d'avant. Ce qui est très bien. Que là, on aura plus d'options pour le coup. C'est ça qui est intéressant. Là, j'avais plus hâte de faire les niveaux d'avant avec les pommes que faire un nouveau niveau, là.
Parce que du coup, c'est plus intéressant. Ça change tout. Point, point. Oui, je pense à regarder derrière, Kiki. Je regarde derrière. Attends. Ah, tant que je tourne la caméra, mon vieux. Alors, il y a un truc derrière. Là, il n'y a rien. Peut-être pas à ce niveau. Ah. Moi, je balance les pommes. Hein. Des fois, il y a des Pokémon cassés dans. D'accord, bah, on essaiera de toute façon. Oh, il va manger une petite pomme. T'as dans ton cul. Elle va te vénère. Toi là, je t'assomme. Hé, le Dodrio, il va tellement te vénère. Oh la tronche. Hein, hein. Oh, oh ça flex. Ça flex de fou. Ah, c'est le truc qui me stresse là. Putain, je loupe plein de trucs. C'est très frustrant parce que... Ah, il va se bouger là. Par contre, c'est trop dur à choper là. Oh, le truc Hawaï. Ah ouais, il envoie une attaque éclair sur la pomme. D'accord. Salut Samino. Ah, c'est trop cool. Et est-ce qu'on peut faire... Est-ce que c'est qu'il y avait... Ça rappelle les vieux Pokémon en... Snap, tu pouvais faire des évolutions quand tu leur tabourinais des pommes sur la tronche, quoi. Vous avez... La fameuse... Le truc le plus ouf, c'est de faire évoluer le... Oh putain. Et arrête de faire le prédateur. Et Dodrio, il flex trop dans ce niveau-là. Ah, quoi. T'as l'air teubé ce canard. Le Savage en volcan, oui, c'est peut-être avec le Léviator, c'est le plus connu, je crois. Les gars, je lance des trucs là, pourquoi tu te casses? Oh putain. Merci Elfeno Meto pour le suivi. Merci. Moi je balance. J'ai l'impression que du coup je vais louper plein de trucs parce que je suis concentré sur mon lancer de pommes. Ah, c'est bien de se référer à Kiki, c'est New Pokémon Snap. Ah, j'ai dû louper un truc. Boum, t'es une énorme boule de nœud. Ok, c'était grave cool. Bon, ça, après les photos, on a quand même assez. On a. On fait des photos drôles, on leur met des cachets dans la tronche. Moi je balance. Hein. Suite d'un jeu, ouais, c'est ça. T'as bien résumé le truc, Kiki. Écoutez Kiki dans le chat. C'est la voix de la sagesse. Je balance tout. Putain, ça, par contre, ça speed vite. Hein. Ah, il y a le Pichu et tout qui vont flex avec nous là. Bon, non, c'est pas trop mal démerdé. Oui, voilà, c'est prendre des photos. On fait pas de capture, on prend que des photos. C'est une licence qui avait eu du succès sur Nintendo 64. Voilà, tu vois, on va rapporter des points, tout ça. Ça, c'est chill à faire en vrai. Hein. Alors, Frison. Ah, on a une 3 étoiles. Ça, c'est cool. Dodrio. Dodrio, à mon avis, on a du lourd. Et c'est un là où il flex avec la pomme, là. Moi, je veux ça là. J'ai envie de choisir, moi je vais choisir par moi-même en vrai. Alors là il y a du lourd. Ah, il y a un 4 étoiles là. Ah ouais.
Il y en a plusieurs qui sont pas mal. Hein. En vrai, celle-là est pas mal. Chenipote. Ah oui, il se prend la pomme dans la gueule, c'est très drôle. Ah oui, mon Kiki est trop fort pour ça. Best modo. Et abonnez-vous à la chaîne de Kiki, il fait du rétro gaming avec des consoles que j'avais jamais vu de vous dit. Elle est trop marrante, celle-là, ils sont en train de se noyer, je sais pas ce qu'ils font. Ah, boule de nœud, là. Celle-là est pas mal. Allez, hop. Ah, bah moi, je trouve bien ce photo de Magikarp. Et le reste, saisie automatique. Hop là. Et oui, j'ai travaillé aujourd'hui, c'est ça. Samino et toi, t'as travaillé? Et je travaille dimanche aussi. Je fais la cavalcade à la ville de Limoges. Enfin, on surveille la cavalcade, on sécurise. Mais je bosse pas mal en ce moment, mais bientôt les vacances. Hein. Partir au Portugal bientôt. Ça va faire des vraies vacances qui vont faire du bien. Eh, pas chaud, on travaille, oui. Bon, après, je suis pas à plaindre, moi. Franchement, je suis fonctionnaire. Pas me plaindre. Dodrio est génial, hein. Génial, ça met en avant parce que Dodrio, c'est pas un des Pokémon les plus populaires, mais. Ça met en avant des Pokémon, voilà, Meganium, Dodrio, je trouve que c'est bien un peu. C'est le moment de gloire de d'autres Pokémon. Et team fonctionnaire, on est heureux. Hein. Écoute, c'est tout le bien que je te souhaite, Samino. Nice timing. Point point. On est plutôt bon. On va faire maintenant deux nuits, j'imagine. Et après, on va refaire le méganium avec la pomme. On va mettre l'album à jour, il nous le demande. J'avais fait mal au voyage, le Portugal, j'ai beaucoup d'amis portugais en plus. Bah, tout le monde, c'est la première fois que j'irai, donc tout le monde m'a dit que c'était pas mal. Hein. Bon, l'album, ça m'intéresse pas de fou là pour l'instant. J'ai fait mal de voyage, ouais, tac tac tac. Je reviens, je vais me chercher de la flotte, je reviens tout de suite. Je teste mon nouvel écran de pause que j'ai fait ce matin. Je reviens. Chercher de l'eau. J'ai soif. Et l'eau, c'est la vie. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et me revoilà. Bon, on a perdu TikTok là parce que j'imagine que quand ça bouge plus, TikTok est traumatisé. Non, ça va, on a pas perdu trop de monde. Bah, en vrai, moi, je fais Lisbonne et Porto et j'ai la chance de voir un match du Sporting Portugal qui va certainement être champion en plus quand je vais aller les voir. La remise de trophée et tout, la fiesta donc. J'ai eu de la chatte, j'ai pris les places en décembre, je pensais pas qu'ils seraient champions. Enfin, je savais qu'ils avaient des chances, ils étaient deuxième quand j'ai pris les places, mais. Alors, on va faire le parc de nuit. Absolument, à quoi est-ce la vida? Enfin, faut que je parle pas assez bien portugais encore pour l'instant. Bon, on va essayer d'avoir 2-3 mots de base quand même pour être poli là-bas. Et les gens ont l'air adorables en plus. Et on a l'air de bien y manger aussi. Donc 7 jours, je fais 7 jours Lisbonne et 3 jours Porto. Enfin, mettrai des trucs sur les réseaux. Ça sera hors sujet si je mets des trucs sur TikTok, mais c'est pas grave. Ah, j'ai touché. Là, on va réveiller tout le monde, on fout le bordel. T'es ! Réveille-toi, toi ! Bleh ! Oh ! Ça fait une tête de clown comme ça, c'est rigolo. Boum ! Dans ton cul ! Boum ! Attends, c'est agressif. Ah, elle est belle la photo du Rocarnage. Boum. Là, il y a des trucs qu'on a loupés, c'est sûr. Que là, on est tellement omnibilé par le... Par le Flambino que on doit louper des choses. Non, il n'y a rien. Bon, on a loupé plein de choses.
Après, le principe qu'on puisse faire deux jours et de nuit la même map, c'est cool. Oh le regard du cornèbre. Est-ce qu'il y a Corbos? Ça, on l'a déjà fait. Ah oui, mais là, attendez. On peut avoir notre revanche, là. Ah. Ah, elle est trop bien, la photo. Mais oui. J'allais sur la fleur, d'accord. Ça fait rien pour l'instant, Kiki, à moins que ce soit une autre fleur que tu me parles. Je sais pas. Allez, Torterra, là, réveillez-vous. Hey. J'adore ce Pokémon, moi, ça... les starters de la 4G, j'aime beaucoup. J'aime bien la 4G. Hein. En fait, j'avais fait une pause de Pokémon, j'avais pas fait la 3G. Et je me suis relancé à la 4G et j'ai refait la 3G après, plus tard. Mais la 4G, ça m'a relancé dans Pokémon et j'ai adoré ces générations-là. Et j'adore Etouraptor, par exemple. C'est mon Pokémon vol préféré. T'as les Flambido qui fout le bordel. Hé, hey, viens là, toi! Coquinou. Comment ça fait quoi? C'est pas grave, Kiki, on essaye d'entendre des trucs, hein. Ah merde, j'ai loupé les canards, là. On va voir s'il s'en fout, là, de Pokédex. Ça fait un peu la poubelle à lancer toutes les pommes. Ça gâche tellement le paysage et les photos de foutre des pommes partout. Bon. Hop là! Il peut pas les péter avec sa corne, ça aurait été du bien. Oh! Oh, il est content! Oh, il est content! Oh, et Scarabrut aussi, j'aime beaucoup. Scarabrut, j'aime beaucoup. Houtout! Alors, une photo d'abord comme ça, pour flex. Ah, Prinity. Les mâles et les femelles sont différents. Oh, il est trop mignon. Quand je sais pas si on peut faire à Pyrène. Ouais. Bon, j'ai pas fait des trucs de ouf là. Mais après, on est toujours frustré de ce jeu. Parce qu'on avance pas super bien quoi. Oh, il est trop mignon! Moi j'aime bien, je suis content de le faire, jeu. De toute façon, on remettra le live en redis sur YouTube. J'essaie de redynamiser la chaîne YouTube aussi. Le but c'est de pas qu'être sur TikTok, c'est aussi sur Twitch et YouTube. Mais je vais prendre une deuxième caméra pour TikTok, comme ça vous aurez un double écran sur TikTok. Il faut deux caméras pour ça. Il faut deux webcams. Comme ça, il y aura une webcam qui fera. En fait. Il y aura OBS qui fera le travail sur pour Twitch et Studio qui fera que TikTok Studio qui fera que TikTok du coup, mais il faut une deuxième webcam pour ça. Parce que je peux pas faire la même webcam pour les deux sites quoi. Flambino ! Oh, elle avait pas sélectionné tout à l'heure, c'est vrai. Ou Carnage. En vrai, ouais allez, il est plus gros. Pourquoi celui plus, je ne sais pas. Ça là est drôle, ouais, j'avoue. Ouais, ça là est drôle, allez. Alors, Torterra. Ah, il y a un message, il y a un truc. En vrai, celle où il sort du sol, là, sont ouf. Ah, moi, j'aime bien ça là, moi. Alors là. Là, il y a un message. Mais pourtant, elle est moche, la photo, pour de vrai. Ouais, je préfère ça là à la rigueur. Voilà. Hop là. Zoom. Alors. J'ai hâte de faire avec le Méganium du coup. On va faire des dingueries. Flambino. Qui flex dans son coin. Après on aura d'autres trucs donc. Ah, je préfère celle avec la fleur quand même.
Mais j'aime bien de voir les Pokémon hors combat dans le milieu naturel. C'est les seuls jeux, les Snap, qui proposent ça finalement. Après, je sais qu'il y avait un jeu sur Wii avec un Pikachu où tu te baladais en mode aventure. C'est intéressant aussi. Ah, la nouvelle photo a plus de points. Ouais, allez. C'est vrai qu'on voit mieux son regard. Il est mignon, Corneille, comme ça aussi. Ou toutes. Ça, c'est cool. Le Pokémon est en gros plan, c'est bien. Alors, j'ai l'impression que je vais déménager, que je vais aller au boulot demain alors que j'aide quelqu'un à déménager. Mais il faut se lever quand même. Ça va être terrible. Iné ! Ah, j'aime bien ça là, il est refait quand même. Après, ça là, une belle pause. Ah, après, c'est la première, une belle pause quand même. Mais il est joli avec cette petite pomme, Torterra là. Mission accomplie, yes! Là c'est mieux là. Dans les fleurs en plus. Point, 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 point. Parc nuit, montée de niveau! Retourne à la base. Non, on recommence pas. On avance, on avance, on va faire Meganium. Oui, je vais me chercher. Hé, hey, j'ai une nouvelle idée. Après, c'est une nouvelle invention, moi je prends. Point, point. Oh là, attends. Ça m'a fait une notif de fou sur. Oh là, c'est la fête à la tisane là-bas. Point. Todd. Ah, le premier héros. Ah ben là, ça fait plaisir. C'était le premier perso, ça. C'était le héros du premier Pokémon Snap. Et ouais, la classe. Alors, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Tantan. Ça a déjà été fait, le full 7 max étoiles sur un Pokémon Snap? Oh oui, mais il y a des mecs qui l'ont fait. Sur des mecs qui finissent les jeux à fond. Hein. Donc on fait toujours ça par plaisir. C'est rare que je finisse un jeu à 100%. Ah, il est pas mal le jeu qu'un duty. Il est chill, c'est chill. Après, c'est pas tape à l'œil, c'est chill. Hein. Moi, j'aime bien. Ah, il fallait qu'on ait un gamin énervé, quoi. Oh, putain. Il fallait qu'on ait un gentil toin. Qu'est-ce que tu fais, là, gentil toin? Quel est le nom qu'ils l'ont donné? Phil. Merdicible comme ce Todd a jamais. Calme-toi. Toujours qu'il y a des mecs énervés. Le mec fait de la photographie, il est énervé. Ah oui, faut prendre du temps parce que tu faut refaire les niveaux plein de fois. Te faire le 100%, tu prends du temps. Mais c'est bien ce genre de jeu. En plus, et je l'ai chopé à micro, je crois, à 15 balles. Hein. Il vaut plus grand chose maintenant. Donc, c'est un bon jeu à prendre, quoi. Ah. Qu'est-ce que c'est ce petit con? Waouh. On serait dans Avengers. Avec la table comme ça. Ouais, on a une plus grosse île. Mais ça n'empêche pas que je veux faire le méganium avant de passer à autre chose. Ok. Néné ! En vrai, le jeu il est bien le jeu. Car j'ai joué au premier, donc je sais pas si le remake est bien. Mais là c'est pas un remake, c'est vraiment la suite, Nota. C'est la suite. C'est New Pokémon Snap, mais c'est la suite, c'est pas un remake. Hein. T'as de nouveaux Pokémon, nouvelle région, regarde, nouveau perso. C'est vraiment la suite. Pour une fois, on n'a pas un remake. Pour l'instant, je trouve qu'il est bien. Et ce qui est bien, bah, Nota, c'est que tu peux refaire le niveau de jour et de nuit. Il y a des différences, du coup. Et il y a des boss comme Meganium qu'on va essayer de refaire. Parce que maintenant, on a la pomme. Donc, on va essayer de refaire avec Meganium, quand même. À moins qu'on puisse pas, je sais pas. Hein. Je dis ça, on peut pas le refaire. Nouvelle zone disponible. Ouais, mais attendez. Moi, avant de repasser là, je refaire mes. On va refaire Meganium. Allez voir si on peut faire quelque chose avec la pomme. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, j'aime bien les Pokémon qui prennent. Ça met en avant des Pokémon moins populaires, mais que j'aime beaucoup, moi. Moi, quand tu vois du Scarabru, du Meganium, du Torterra, bah, des Pokémon plantes déjà. Dodrio, je trouve ça cool. Moi, c'est des Pokémon que j'aime bien, moi. Alors, c'est peut-être de le réveiller.
Ah. Où se réveille la tête dans le fiac. Blum, 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 je suis un diplodocus de fleurs. Non mais il est magnifique. En vrai, ils l'ont mis en valeur, il est magnifique de fou. Oh, putain, mais je... Bah bien sûr que j'assure. Tu crois quoi, gamin? Je sais ce que c'est les Pokémon, moi. Je balance, hein. Je balance des pommes. Point, point, point. Alors là, on voit le fiac de Meganium. Bon, on a pu faire d'autres photos, mais est-ce qu'elles seront mieux? En plus, là, c'est que les photos luminescentes qui cherchent, donc là, ça sert à rien de le prendre en photo. Même si ils avaient des belles photos, c'est dommage. Ah, il est tellement beau. Oh, ça en trouve d'autres trucs là. Là, si je lance sur le truc, il va faire un flex sur la fleur là. T'as, il avait l'air shooté là. Oh, salut Flavien, merci d'envoyer de la force. En t'en envoie aussi. Allez voir la chaîne aussi de Flavien, qui est un passionné de football. C'est amplement mérité. Bon, bah je sais pas après ce que je peux faire de plus en fait, les gens. Là, ça me dit qu'il y a un truc. Ouais, j'en ai pas fait grand chose de plus en vrai avec les pommes. Bon, bah il faudra peut-être revenir avec un autre objet, je sais pas. On a rien fait de fifou là. Un peu déçu, un peu déçu. Bon, moi les pommes, moi j'aime bien. Je peux connecter les pommes, non, ça lui fait, c'est inefficace. Ça lui fait rien. Point, point. Bon, bah ouais, je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Hein. Peut-être qu'on ait d'autres objets. En tout cas, le jeu est super beau, c'est bien voir ça de la part de la Switch. Ah, bah, la Switch, si, mais vraiment, même avec peu de puissance, avec la patte artistique, ça peut faire des dingueries. Hein. Après, j'ai vraiment hâte maintenant de voir la nouvelle console Nintendo. Est-ce que ce sera une Switch 2 ou autre chose? Mais on a besoin d'une nouvelle console Nintendo là. Vraiment. Parce que bon, Xbox, PS5, c'est bien, mais. Nintendo, c'est la vie. Voilà, c'est une bonne base quoi. Valeur sûre. Ah, c'est number one. J'ai l'impression qu'il n'y a que Nintendo qui la maîtrise bien. Oui. C'est pas faux, Kiki. Bah oui. En plus, souvent, c'est... ils réadaptent des jeux multiconsoles donc. Action automatique. On montre au prof. Mais c'est ça, Kiki, ouais, bah oui. Quand même, les jeux Nintendo sont quand même beaux. Hein. Voilà. Hein. Après, il y a ses limites. Il paraît que les derniers Zelda, j'y ai pas joué. Mais le dernier Zelda, ça, tu vois que ça commence à atteindre les limites. Mais par contre, le Metroid Dread, c'est mon jeu Nintendo préféré. Hein. Enfin, c'est mon jeu préféré de la Switch tout court. J'ai Advance War aussi, qu'on pourra peut-être faire en live. Si ça vous dit de faire Advance War. Je l'ai, j'ai jamais commencé vraiment, j'ai commencé vite fait, mais bon. On pourrait faire une nouvelle partie, quoi. Allez. On va rentrer à la base, on va faire un dernier petit niveau. Point, 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 point. Point, point. Non mais c'est chill. Fait du bien les jeux, on est chill comme ça là. Voilà, moi j'ai fait que des jeux de combat en live, ça me fatigue un peu des fois. Je suis vieux maintenant et la trentaine quand elle la passe. Oh, tu la sens la vieillesse, c'est un truc de fou. Hein. On est dans la jungle. On va voir des dingueries dans la jungle. Nintendo. Enfin bref, mais bon. J'espère que le prochain Pokémon, ils mettront du temps à le faire et puis que ça sera sur la prochaine console de Nintendo. On achètera les yeux fermés, évidemment. On est d'accord, Kiki. On va acheter les yeux fermés à la prochaine console Nintendo. Mais si c'est. Un jour, on aura la suite de Skyrim. C'est sûrement moins chill, ouais. Oh putain, il y a un Picasso. Je balance des pommes, moi. Ça arrive avec quelqu'un. Ah putain, Kiki, j'ai pas fait derrière moi, là. J'aurais dû le faire. J'ai pas eu le réflexe. Bon, on le refera le niveau, de toute façon.
contre, c'est que la caméra est lente à tourner. J'ai des petites croquines. Ah, elle vole, c'est trop mignon. Oh putain. Charmillon. Ouais, c'est ça, tirer. C'est genre ce truc, elle va venir l'araignée. Mimigal peut-être. Qui va arriver là. Non, bah. Oula. Oh, on l'a de près là. Et le gros là-bas là. Putain, j'ai oublié son nom. Bah, j'ai tout mon pognon Nintendo. Bon, en même temps, il mérite, hein. Je dis pas que c'est parfait, mais bon, depuis des années, c'est la base, quoi. C'est souvent discutable, quoi, Nintendo, quoi. C'est. Comment on peut. Voilà. Bon, on leur excuse beaucoup de choses, c'est vrai, hein. Ça devrait pas. Mais bon. Bien sûr qu'il y a trop cool ce photo gentil. Ah, Marest, j'aime bien Marest. Oh, il y a cette tête. Ah, elle est trop mignonne. Je suis dans mon bain. Cul nu dans l'eau. C'est ça le bonheur dans la vie. Regardez, il est heureux. Attends, puis les Pokémon au sol, hein, c'est comme Lagron, tout ça, j'aime bien. Je reprends le remake. Ah oui, bah, bien sûr. J'ai jamais joué, ça me fait envie. Et là, on en fera des jeux GameCube sur la chaîne, c'est prévu. J'aimerais bien faire le Pokémon Coliseum d'ailleurs sur la chaîne. Je l'ai sur ma GameCube, j'ai jamais vraiment fait. Enfin, je l'ai fait, mais. À moitié. Bah, vraiment, mon Mario Kart préféré, c'est le double dash sur GameCube. Mais après, la GameCube, pour moi, c'est une de mes consoles préférées. J'ai pas, et pas pourtant joué tant que ça, mais autant sur la forme que les jeux. Voilà. J'ai chopé le Star Fox aussi il y a pas longtemps. Alors, j'ai chopé à peut-être 40 balles. Bon, on a loupé plein de choses. Oh, on est dans le vide là. T'as notre machine, elle se bat de fou en vrai. Ah, des ruines antiques, ok. Ah, mais c'est bien, il y a vraiment côté exploration. Ah, Mario RPG, c'est. Il faut. Atteste aussi. Oh là, ah oui, lui, il adore, c'est. Léopardus, ça, ouais, ils sont trop beaux ces Pokémon. 5MG, ça. 5MG que j'aime beaucoup. Ils sont magnifiques. J'adore ce Pokémon. Ah oh putain, c'est beau. Il y avait tous sont contents, les marestes. Oh là là. Le jeu est magnifique. En fait, le jeu est vraiment beau, en fait. Bon, alors en fait, faut pas zoomer, parce que tu vois, les graphismes, c'est... Quand tu zoomes, mais si tu zoomes pas, c'est beau. Au moins, la patte artistique est là, quoi. Ah, elle est excellente, la photo. Regardez, Marest, seul au monde, devant sa cascade. On est un peu tout jaloux de Marest, on aimerait peut-être être ce Marest dans notre vie en ce moment. Regardez, il est heureux devant sa cascade. Alors, qui ne veut pas être ce Marest dans sa vie actuellement là? Moi j'aimerais être ce Marest là. Être assis, cul nu sur une pierre devant une cascade. Regardez-moi ce bonheur. Marest, le Pokémon heureux. Et oui, prenez exemple sur Marest, lui il est heureux. Oh là, Léopardus avec sa grande queue. Bon, on a déjà loupé des trucs là, on a déjà fini, mais on a loupé plein de trucs, mais c'est pas grave. Il flex un Léopardus. Non, ça me plaît bien. Bon, en vrai, on est peut-être pas beaucoup en live, mais ça me plaît bien de se faire ce jeu. Effectivement, tu verras un mauvais projet à venir. Voilà, c'est ça, Nota. Je pense que demain, on relancera Pokémon Tournament. Point, 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 point. Picasso. Putain, on voit rien sur la photo que j'ai prise, là. Pareil, pas ouf, hein, donc on va prendre ça de là. J'ai pas fait des photos incroyables, hein. Je suis un peu éclaté au sol, ce que j'ai fait. Bon, je prends la grosse photo. Alors, l'eau pardue, ça doit être pas mal, hein, celle que j'ai prise. Il fait une pose de fou. Ah, voilà. Ça, là, est belle. Hein. Il est beau, ce Pokémon. Hein. Sous-côté aussi. Ah, c'est un 5G qui est sous-côté, tout court.
Ah, le marais devant sa cascade est extraordinaire quand même. Je sais pas laquelle prendre du coup, elles ont toutes. Ah non, elles sont pas ouf en vrai. Tant qu'à faire, on va prendre celle-là, il a l'air vraiment heureux. Voilà. Ok, le reste, tout c'est. Ah merde, section automatique, de toute façon, on a pas de trucs de fou. Merci Nota pour le suivi, ça fait plaisir. Merde, j'ai pas. Kiki, j'ai sélectionné encore aucune photo. Ah, je suis un boulet. Bah, je fatigue. On va recommencer tout ça. J'ai un problème avec les touches. Ah ouais, c'est qu'en fait, comme on est sur le A et B, c'est inversé. Moi, je suis encore dans ma tête sur une Xbox, alors j'inverse les touches souvent. C'est vrai que j'ai tendance à être un boulet. Bon, les gens, je vous dis à demain. On va faire d'autres jeux, mais on continuera le Pokémon Snap parce que ça me plaît bien. J'ai envie de le finir avec vous, même si on n'est pas nombreux. Le peu de gens qui sont là sont de qualité, voilà. Donc merci à vous. Kiki, je dis demain soir vers 21h, je pense qu'on refait Pokémon Tournament. Voilà. Merci Kiki, merci tout le monde. XOXO, à demain, bah, vers 21h, normalement, si je dis pas de bêtises, voilà. XOXO, et je vous dis à demain, demain sera sur Pokémon Tournament. Voilà, on essaie de varier un peu. Voilà. Allez, bisous.